mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, Steve Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, on va rencontrer une petite qui est vraiment énorme et sèche, avec des petites veines partout. Vous êtes prêts? C'est parti! She gon' make it, make it. She gon' make it, make it, make it. She gon' make it, make it, make it, make it. She gon' make it, she gon' make it, she gon' make it. Nathalie, je suis Thibaut. La bise. Comment est-ce que tu vas bien? Eh ben écoute, ça va bien. Il y a du soleil, c'est parfait pour moi. Il y a du soleil, il y a des petites. C'est des petites veines aussi. Quelques-unes. Tu montres la petite veine ou pas? Quelques-unes. Quelques petites veines. Je te laisse te présenter, vas-y. Eh ben Nathalie Camus, j'ai 38 ans. Taille, je fais 1m57. Moi, je mens un petit peu. 1m60, c'est bien, on arrondit un peu pareil. Je dis 2 mètres un peu. Ouais, ouais. Là, actuellement, je fais 59,8 kg. Hors saison, je suis plus vers 65-66 kg. Je suis donc athlète international, on va dire. J'ai quelques titres. Quelques titres. Ouais, quelques titres. À peine. Championne de France à l'IFBB, championne de France à la NAC, Miss Univers NAC en 2013. Deux sélections en championnat d'Europe IFBB, première de catégorie dans des grands prix. Et donc la dernière en date, c'est le week-end dernier, qui a été au Reaper Body Show. Je fais de la musculation depuis 16 ans. Donc ma fille a 16 ans. Là, j'ai commencé à m'entraîner, je crois, elle avait peut-être 1 ou 2 mois. D'accord. S'il y a des petites qui nous regardent actuellement et qui veulent se lancer dans la muscu ou dans les compètes, qu'est-ce que tu leur dirais, elles, peut-être qui ont peur d'entrer dans la salle de musculation? Qu'est-ce que tu leur dirais qui veulent se lancer? Je leur dirais simplement qu'elles doivent le faire. Même s'il y a une connotation très masculine, la musculation se démocratise de plus en plus chez la femme et qu'on a bien compris que sans poids et haltères, et que c'était pas, excusez-moi, j'ai rien contre les cours collectifs, mais c'était pas les cours collectifs qu'on arrivait à sculpter un corps, ouais. Qu'on veuille s'éclater, danser, que ça soit ludique, etc. C'est une bonne chose, j'ai été la première à en faire, mais on a bien compris que, voilà, qu'il fallait quand même soulever un petit peu de charge et se confronter un peu aux machines, ouais, pour pouvoir sculpter un corps. Turn up left, turn up right beat, poppin' cheeks, turn up beat, left cheek, right cheeks, poppin' cheeks, turn up left, turn up right beat, poppin' cheeks, turn up beat, left cheek, right cheeks, poppin' cheeks, turn up left, turn up right beat, poppin' cheeks, turn up beat, left cheek, right cheeks, poppin' cheeks, turn up left, turn up right beat. Et dis-moi aussi un peu, le regard qu'ont les gens soit sur les réseaux sociaux, soit dans la rue quand ils te croisent. Est-ce qu'ils vont te voir? Est-ce qu'ils veulent prendre des photos? Comment ils réagissent? Je sais pas. Il y a vraiment une sympathie et une reconnaissance sur, ouais, les réseaux, j'irais à 80%. Mais aujourd'hui, je me dis que je suis conduite un petit peu d'une mission en fait. Mmh. Et que même si j'ai placé la barre très haute, ce qui est dur parfois, ouais, parce que c'est tenir un peu du monde comme ça à bout de bras, je peux donner l'engouement à des gens de s'entraîner, de reprendre le sport, de se battre, bon, mis à part être critique et que je ressemble à un transsexuel, que c'est pas féminin. Ouais. Donc les personnes qui, par exemple, vont mettre dans les commentaires de la vidéo ce genre de commentaires, t'as l'opportunité de leur répondre maintenant en amont? Alors, chacun est différent. Alors après, la discrimination, elle est là. On parle beaucoup de racisme et de discrimination raciale, mais, ouais, mais sur nos physiques aussi. Mais malheureusement, en France, on est beaucoup dans la critique. Et dans le, quand c'est hors norme, ça ne, voilà, convient pas. Quand on n'est pas dans un moule, moi je suis pas un mouton. Je respecte les gens, je respecte ceux qu'ils sont, je respecte leurs valeurs, j'ai mes valeurs. Et qu'on accepte toutes les différences. Donc après, je leur dis simplement, si ça vous plaît pas, ne regardez pas. Moi en tout cas, je suis très bien dans mes baskets. Ma fille, c'est surtout le jour où elle me dira « Maman, c'est trop », là, je me remettrai en question. Et si on devait écouter la première personne qui nous critique, c'est vrai qu'on ferait pas grand-chose. On ferait rien. On ferait rien et on serait comme tout le monde, des spectateurs de vie. Voilà. Et moi, c'est pas mon cas. La vie, elle est suffisamment courte pour la vivre pleinement, en fait, et comme on a envie de la vivre. Voilà.
Je sais, bravo. Bravo. À suivre Nathalie, les liens seront dans la description. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom! Cheeks to the beat, left cheek, right cheek, poppin', poppin'. Cheeks to the left, to the right beat, poppin'. Cheeks to the beat, left cheek, right cheek, poppin', poppin'. Cheeks to the left, to the right beat, poppin'. Cheeks to the beat, left cheek, right cheek, poppin', poppin'. Cheeks to the left, to the right beat, poppin'. Cheeks to the beat, left cheek, right cheek, poppin', poppin'. Cheeks to the left, to the right beat, poppin'.